Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu tombes sur mon contenu, si tu tombes sur ma vidéo, ici, je ne suis pas ici pour te donner des hacks, pour te donner des méthodes qui n'existent pas, que par exemple, on a l'habitude de voir sur le net, mais je suis ici pour te donner des conseils comment tu peux faire pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, donc si tu es convaincu par le contenu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ces méthodes que tu peux utiliser pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. La première méthode, c'est ta chaîne YouTube ou soit tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram, par exemple, une page Facebook. Donc ici, moi, je vais me diriger automatiquement sur ma page YouTube. Je ne vais pas trop me diriger sur mon compte, c'est-à-dire sur ma page Facebook et autres, les autres, mais je vais plus me focaliser sur YouTube. Donc la première des choses que, par exemple, tu peux réaliser pour avoir de l'argent sur YouTube, c'est de, par exemple, créer du contenu qui est vraiment pertinent. Ici, vous voyez que là, c'est ma première chaîne YouTube. Tous ceux qui m'ont demandé, que j'avais l'habitude de dire dans toutes mes vidéos que j'ai une chaîne principale, j'ai une chaîne principale. Ici, vous voyez que c'est ma première chaîne YouTube. J'avoisine maintenant les 10 000 abonnés. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Et voilà. Donc, le premier revenu que tu peux tirer au niveau de ta chaîne YouTube, par exemple, c'est les publicités. Mais de grâce, pour tous ceux qui regardent ma vidéo, vous ne devez pas vous concentrer sur les publicités. Parce que les publicités n'apportent pas beaucoup au niveau de tout ce qui est source de revenus, mais c'est un complément qui peut te permettre, par exemple, de pouvoir acheter un micro, quelque chose comme ça, par exemple, acheter un micro, par exemple, qui va vous aider, voilà, pour pouvoir réaliser vos vidéos. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est de vendre des formations autour de ce que vous faites. Voilà, c'est de vendre des formations. C'est pourquoi, lorsque vous vous lancez sur YouTube ou bien sur une page Facebook, en fonction de la page que tu gères, tu dois avoir une base, par exemple, à quelque part. Et c'est grâce à cette base-là que tu vas pouvoir, par exemple, gagner de l'argent. Donc, autre méthode que je vais vous donner pour pouvoir, par exemple, avoir de l'argent sur Internet. Ici, par exemple, vous voyez que les gens me demandent comment j'arrive à développer ma communauté, comment j'arrive à, par exemple, booster mes vidéos. Ici, vous voyez, je vais me diriger automatiquement sur ma seconde chaîne. Ma seconde chaîne, vous voyez que ici, elle avoisine, par exemple, déjà les 1152 abonnés. Et merci pour tous ceux qui me suivent et qui m'apportent aussi le soutien. Aussi, à quelque part, vous devez savoir qu'il y a une plateforme qui va vous permettre de pouvoir booster tout ce qui est vidéo. C'est-à-dire que je dis booster, je ne dis pas que tu vas avoir 1 million de vues lorsque tu vas poster ta vidéo, mais qui va permettre de pouvoir mettre ta vidéo au niveau de tout ce qui est barre de recherche, c'est-à-dire bien positionner ta vidéo. Et ça, c'est TubeBuddy. Je n'arrête pas de parler de ça dans toutes mes vidéos. Et ici, je ne suis pas là pour te mentir, je vais te montrer concrètement. Tu vas voir. Ici, automatiquement, vous allez voir ici, il y a TubeBuddy. Moi, je n'utilisais pas trop l'affiliation au niveau de TubeBuddy, mais je vois que l'affiliation aussi, ce n'est pas mauvais. C'est une manière aussi, par exemple, de pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc, vous voyez que ici, ma première chaîne, Joël Assez Créateur 3D, que vous voyez juste là, vous voyez ici, et la seconde chaîne qui est Joël Web Marketing, et aussi la troisième chaîne qui se trouve juste là, que je n'ai pas encore pris la licence de TubeBuddy parce que, comme actuellement, je n'ai pas trop le temps, je suis vraiment beaucoup occupé. Et voilà. Pourquoi je vous parle de TubeBuddy? Parce qu'il va vous permettre de pouvoir booster vos chaînes, et de deux, il va vous permettre de faire tout ce qui est affiliation. Il va vous permettre, c'est-à-dire grâce à la plateforme, vous pouvez proposer le produit à d'autres personnes, parce que c'est grâce à lui que votre vidéo, les vidéos que vous réalisez sur votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir facilement booster vos vidéos YouTube. Donc voilà une autre manière encore qui va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. On a parlé de tout ce qui est publicité, on a parlé de, par exemple, tout ce qui est formation. Aussi, on va parler de tout ce qui est affiliation. Autre élément que vous pouvez utiliser pour faire tout ce qui est affiliation aussi, il y a Canva. Ici, pour faire de l'affiliation au niveau de Canva, vous devez avoir la licence pro. Voilà. Canva va vous permettre de pouvoir avoir facilement tout ce qui est, par exemple, design, bannière. Tu n'as plus besoin, par exemple, si tu suis ma vidéo, à te casser la tête. Tu n'as plus besoin, si tu ne maîtrises pas trop Photoshop, tu ne maîtrises pas tout ce qui est le set de design et autres. Voilà. Tu t'inscris tout doucement sur Canva. Et tu vas commencer à chercher ce que tu veux. Par exemple, vous voyez que ici, moi, compte personnel de la licence pro. Regardez juste là. Vous voyez ici, licence pro. Donc, qu'est-ce que je fais? Et aussi, vous voyez que là, j'ai pris l'application. Regardez, c'est l'application que j'ai installée directement sur le PC. Je ne me dirige pas, par exemple, sur le net, comme par exemple, on a l'habitude de voir. Vous voyez que là, j'ai l'application directement. Vous voyez que automatiquement ici, par exemple, je peux programmer, planifier. Si, par exemple, je veux réaliser, par exemple, une miniature, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, je fouille. Je regarde quelque chose qui me plaît, par exemple, je regarde. Et vous voyez ici, j'appuie. Et je vais créer, par exemple, une miniature à partir de Canva, sans me fatiguer.
Et pourquoi je vous parle du Canva? Parce que lorsque tu vas prendre, par exemple, un abonnement pro, automatiquement, tu peux t'inscrire au programme d'affiliation de Canva. Vous voyez ici, je vais revenir au niveau du programme d'affiliation, mais je vais de manière générale vous expliquer un peu comment vous pouvez gagner de l'argent. Vous voyez ici, déjà, j'ai déjà vraiment beaucoup d'exemplaires. Donc, je n'ai plus à me fatiguer. Je vais, par exemple, je prends un exemple très simple. On considère que j'ai choisi, par exemple, celui-là. J'appuie seulement sur lui. Automatiquement, il vient. Il va venir, il charge un peu avec la connexion Internet. Il va se mettre automatiquement là. Et moi, je fais quelques modifications. Et ma miniature, vous voyez, elle est terminée. Je fais, par exemple, je vais venir juste ici. Juste là. Je vais faire un peu de transparent. Ça dépend de moi. Et je commence à faire tout ce qui est miniature. Donc, c'est très important d'utiliser Canva pour faire aussi vos miniatures et aussi de gagner de l'argent. Donc, je reviens à tout ce qui est gagner de l'argent avec Canva. Comment cela se passe? Donc, on va se diriger automatiquement sur Internet. Vous voyez que vous allez venir juste ici et vous allez faire Canva Pro Affiliation. Mais pour pouvoir adhérer au programme d'affiliation de Canva, vous devez avoir la licence, mais la version Pro. C'est-à-dire que vous ne devez pas être sur une version gratuite. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Vous allez simplement appuyer et automatiquement inscrivez-vous dès maintenant et vous allez vous inscrire au programme d'affiliation de Canva. Donc, lorsque vous allez par exemple terminer avec tout ce qui est programme d'affiliation maintenant, vous pouvez prendre le lien d'affiliation et le mettre en description de votre vidéo et parler de Canva. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très puissant. Donc, je vous ai parlé de Canva. Donc, si tu veux booster ta vidéo, je t'ai laissé le lien d'affiliation de. Tu peux dire en description de la vidéo, tu passes par le lien et tu vas voir que tu auras pour le mois 3$ et pour l'année, je pense 28$. Donc, c'est rien si tu veux booster ta vidéo. Voilà. Donc, je te parle de Canva, je te parle de la publicité, je te parle des formations, je te parle de comment faire de l'affiliation avec Canva. Tu viens, tu t'inscris, tu dois prendre une licence pro. Et maintenant, autre manière, avant de passer à Canva, vous allez voir que j'ai créé un compte fictif Canva qui n'a rien à voir avec mon compte d'affiliation Canva pour vous montrer. Par exemple, vous voyez juste ici, lorsque vous allez vous inscrire au programme d'affiliation, vous allez avoir pratiquement tout sur votre compte affilié de Canva. Donc ici, comme je le répète, c'est un compte fictif que je crée pour vous expliquer. Ce n'est pas mon compte d'affiliation, mais je vous montre. Automatiquement, vous allez voir tout ce qui est, par exemple, rapport, performance de marque, tous ces éléments contenus, demande, ressources, outils publicité, tout sera là. Et au fur et à mesure que, par exemple, quelqu'un va passer, par exemple, par ton lien, et la personne va partir, par exemple, prendre Canva la licence, toi, tu auras une commission derrière. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir gagner de l'argent. Mais ces éléments vont te demander beaucoup d'efforts. Ce n'est pas des éléments que tu vas faire d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que tu fais aujourd'hui automatiquement, tu vas commencer à gagner de l'argent. Ça va te demander vraiment beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup de travail derrière. Mais ça va se construire. C'est comme quelqu'un qui vient de lancer, par exemple, une chaîne YouTube. Automatiquement, il n'a pas la communauté. C'est petit à petit et c'est comme ça. Et avant de finir la vidéo, autre élément aussi que j'ai voulu acheter qui va vous permettre aussi de pouvoir gagner de l'argent aussi, c'est Fiverr. C'est connu de tous. Tous ceux qui regardent la vidéo, tout le monde connaît Fiverr. Il y a encore d'autres plateformes aussi comme Upwork et autres qui peuvent vous permettre aussi de pouvoir gagner de l'argent. Donc, si tu as par exemple quelque chose que tu maîtrises, s'il y a quelque chose que tu sais bien faire, tu vas te diriger automatiquement sur ce type de plateforme. Il y a Fiverr, il y a Malt, il y a Upwork. Il y a 5 euros, il y a vraiment d'autres éléments. Et toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas t'inscrire automatiquement dans ton inscription. Voilà, tu vas bien remplir ce qu'eux vont te dire. L'inscription n'est pas compliquée. Tu vas taper Fiverr automatiquement. Tu peux t'inscrire, tu peux relier directement ton mail. Et en fonction de ça, tu vas venir faire ce que tu as fait sur Fiverr. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, proposer tes services à des personnes, cela signifie que, par exemple, tu as une connaissance dans quelque chose, au fait. Tu as vraiment une connaissance dans quelque chose. Donc, tu vas venir automatiquement t'inscrire si tu es fort en design, si tu es fort en logo, si tu es fort en copywriting, tout ce qui est CV ou autre, animation vidéo, tu fais. Et tu vas commencer à, vous voyez ici, tu vas prendre, moi je te conseille plutôt Fiverr Business. Ça y est juste là, c'est pas compliqué. Automatiquement, tu vas commencer à positionner tes produits sur Fiverr et tu vas prendre aussi l'abonnement. Parce que quand tu vas prendre aussi l'abonnement, tu seras aussi bien positionné. Voilà, il ne faudrait pas que je vous montre aussi, pour vous dire que lorsque tu vas faire ça, tu vas gagner de l'argent. Non. Tu vas prendre un abonnement, quelque chose comme ça, tu seras aussi bien positionné. C'est-à-dire, lorsque tu vas payer, cela va te permettre, ça va par exemple permettre à la plateforme de pouvoir te placer dans la barre. C'est-à-dire, tu seras bien placé au niveau du référencement. Parce que lorsque tu t'inscris comme ça, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que les gens ne disent pas. Si tu t'inscris par exemple comme ça, sans même payer, tu seras très mal référencé et les gens n'auront pas, c'est-à-dire, tu n'auras pas une bonne visibilité sur la plateforme. Donc voilà, si tu fais tout ça, tu t'inscris. Et aussi, tu peux t'inscrire pour vendre tes services. Et aussi, tu peux t'inscrire aussi pour pouvoir payer des trucs sur Fiverr. C'est vraiment très, très, très important. Donc, voilà les méthodes qui vont vous permettre aussi de pouvoir vous faire de l'argent.
Mais en réalité, ça va vous demander aussi beaucoup de combativité parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire d'un moment à l'autre. C'est-à-dire, avec la publicité YouTube, si la publicité, vous n'arrivez pas à faire la publicité YouTube, donc même si tu es en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'on a vraiment beaucoup ces difficultés-là, ne te focalise pas trop sur la publicité parce que tu seras vraiment beaucoup découragé. Voilà, mais c'est des petites sommes que tu peux prendre, par exemple, si c'est possible, si tu es dans un pays qui est en Afrique et que par exemple la publicité passe, c'est des sommes qui vont te permettre, par exemple, de pouvoir acheter un micro, quelque chose comme ça. Mais moi, je te conseille plutôt de te focaliser plus sur l'affiliation, comme je suis en train de te parler, je t'ai parlé de TubeBuddy, je t'ai parlé de Canva, et aussi sur les ventes de formation. Et aussi, par exemple, on ne sait jamais, des marques peuvent te contacter si tu fais, par exemple, du bon contenu pour voir, par exemple, proposer leurs produits à, par exemple, à ta communauté, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est des méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a des sites, comme je vous ai montré. Donc, si tu veux faire, par exemple, évoluer ta chaîne YouTube, si tu veux faire vraiment évoluer ta chaîne YouTube, n'oublie pas d'acheter Canva et aussi, n'oublie pas aussi de prendre aussi TubeBuddy. Je vais toujours insister là-dessus. C'est ce qui va faire progresser votre chaîne. Et si vous voyez par exemple pour la chaîne du web marketing, la licence, j'ai pris la licence sur l'année. Voilà, regardez ici, sur l'année. Ici, pour ma première chaîne, qui est par exemple cette, excusez, Joël Assis Créateur 3D. J'avais pris la licence sur l'année, mais la licence sur l'année est terminée et après le mois passé, j'avais pris une licence pour le mois. Mais je ne me suis pas rendu compte que automatiquement, lorsque la licence est terminée, ça va automatiquement activer. Ça va s'activer en fonction du plan que tu prends dans ton compte bancaire. Ils vont te débiter. Donc après, je vais prendre la licence, je vais laisser lorsque ça va finir. Je ne vais pas charger le compte que j'utilise pour pouvoir prendre la licence ici. Je vais attendre et après, je vais le charger pour prendre la licence aussi sur l'année. Donc, par exemple, ce sont ces éléments qui vont vous permettre de pouvoir faire aussi votre chaîne. C'est pourquoi si tu regardes ma vidéo, si tu es sur cette chaîne ici, je ne suis pas là pour te mentir, mais plutôt pour t'apporter ce qui est logique, ce qui est propre, ce que tu dois faire. Donc maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, comme je le disais, voilà, je vous ai laissé le lien d'affiliation de TubeBuddy en description. Donc tu achètes et tu commences à faire tout ce qui est référencement avec tes vidéos. Parce que si tu ne références pas tes vidéos, tu ne seras pas bien positionné. Et automatiquement, tu ne vas pas avoir d'abonnés, tu ne vas même pas débloquer les 4 minutes de visionnage très rapidement. Donc, si tu as mis mes conseils pour ne pas rater la prochaine vidéo, laisse-moi un pouce bleu, partage. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin aussi. Si c'est, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!